Ce matin, je vais commencer une série qui va durer plusieurs semaines et sur vaincre nos peurs. Il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui vivent dans la peur. Puis si vous avez des forteresses, on va les briser. Amen. Pourquoi? Parce que la lumière chasse les ténèbres. Puis la peur, ça fait partie des ténèbres. Amen. Amen. Mon plan d'action pour les prochaines semaines, c'est d'exposer vos forteresses, pas publiquement, bien entendu, d'amener des fondements bibliques aussi dans votre vie qui vont amener la lumière et qui vont chasser les ténèbres. Amen. Pour commencer, la première chose qu'on doit faire, c'est arrêter de blâmer Dieu pour nos épreuves, pour les choses négatives qui arrivent dans notre vie. Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves qui nous arrivent dans la vie, puis c'est notre faute. Vous pouvez dire « Amen », c'est bien placé pour ça. Okay? Puis c'est souvent, là je sais, je ne parle pas à notre église, je parle pour d'autres églises, là. C'est souvent à cause de notre désobéissance et de notre entêtement. Il y a des épreuves qui nous arrivent, c'est à cause de ça, notre désobéissance et notre entêtement. Alors, on voudrait juste souhaiter les bienvenus à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. On a toujours une foule qui nous écoute. Alors, soyez les bienvenus. Puis aussi, une nouvelle, c'est qu'on peut donner maintenant, si vous voulez donner votre dîme, des offrandes, vous pouvez le faire directement sur notre site web abnm.ca. Il y a une place, faire des dons. Puis, ça va être enregistré dans votre numéro de dîme, etc. Alors, si jamais vous êtes à la maison, bien, profitez-en. Ça va nous faire un immense plaisir. Amen. Souvent, il nous arrive des problèmes dans notre vie. Puis, on est là, puis, « Oh, Seigneur, pourquoi que tu permets ça? » Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut avoir une interaction avec nous. C'est pas que Dieu, il est au ciel, là, puis... On est complètement protégé, puis c'est comme, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, puis on n'aura pas de conséquences, puis Dieu, il est censé de nous empêcher de faire des stupidités. J'ai souvent entendu ça. « Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas empêché? » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? De votre bouche? Oui? OK. « Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas intervenu? Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Pourquoi? » Puis en réalité, ce n'est pas Dieu, c'est nous autres. Amen? Alors, Dieu désire avoir une interaction avec chacun de nous autres. Dis à ton voisin, Dieu veut vraiment avoir une interaction avec toi. Vous savez, le Seigneur, il y a... Samuel, c'était... Il y avait Élie qui était le grand prophète et Samuel restait chez Élie parce qu'on connaît l'histoire. Sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant, puis elle dit, jeune enfant, je te présente à Dieu, il va servir Dieu. Puis Élie le prit chez lui. Puis un soir, Élie dormait. Puis d'un coup, il entend une voix. Puis il a été réveillé plusieurs fois, Élie, pour lui dire, « Hey, j'entends une voix. » Fait que Élie il a donné un conseil. Il dit, « Quand que la voix va arriver, tu lui diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Amen. Pour aujourd'hui, on change ça. « Écoute, Seigneur, ton serviteur va te parler. » Mais c'est lui qui est le boss. Amen. Ce n'est pas nous autres qui est le boss, c'est lui. Alors, on doit être sensible à ce que Dieu veut. Puis pour ça, c'est qu'on doit avoir une interaction, un échange avec Dieu. Dieu nous parle, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous guider, Dieu veut nous diriger, Dieu veut vivre avec nous autres. Amen. Puis il faut y faire une place. Amen. Puis la lumière de Dieu va chasser les ténèbres. Alors, si vous avez des peurs ce matin, attachez vos tuques, parce que ça va frapper fort. Puis vous allez être libérés de ces choses-là. Je ne dis pas qu'instantanément, ça va être libéré ce matin, parce qu'il y a un processus. Puis ce matin, je vais parler comment que on a des attitudes. En réalité, c'est un esprit, la peur. Mais on va commencer avec une attitude, puis les autres semaines qui vont suivre, on va voir l'aspect spirituel de nos choses. Dans Jean 15, verset 26, ça dit, «
Quand le conseiller, puis il y a certaines versions qui nous disent, quand le paraclet, ça veut dire un avocat, un conseiller, OK, sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce verset-là? Dans Jean 15, 26, c'est que Jésus, quand il est monté au ciel, il a envoyé quelqu'un sur la terre. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, Dieu le Père est au ciel. Dieu le Fils, il est assis à la droite du Père. Et où est Dieu le Saint-Esprit? Il est ici sur la terre. Il est là, il veut te parler, il veut communiquer avec toi. Puis, moi, j'entends sa voix régulièrement parce que j'ai une relation avec lui. Alors, une des choses qu'on doit avoir, c'est une relation avec le Dieu vivant. Quand tu n'as pas de relation avec le Dieu vivant, tu cours après le problème. Ou plutôt, je devrais dire, le problème va courir après toi. Amen. OK, on continue. Dans Genèse 1, 26, ça nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » C'est Dieu qui parle. Dieu veut qu'on soit à son image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Dieu veut que tu domines. Allô? Dieu veut que tu domines, que tu ne te laisses pas dominer. Dieu veut que tu sois un vainqueur, même plus que vainqueur, par celui qui t'a fortifié. Dieu nous appelle à être des vainqueurs et non des vaincus. Puis si vous êtes vaincu dans votre vie, Dieu veut remplacer des choses. Trop de chrétiens ne vivent pas pleinement une vie chrétienne victorieuse. Pourquoi? À cause de leur connaissance. Manque de connaissance. Dieu nous dit tout ce qu'on devrait savoir, mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oh, moi, je vais aller à l'église, le pasteur va prêcher, puis c'est bon pour moi. Je n'ai pas besoin de prier dans la semaine, je n'ai pas besoin de lire dans la semaine, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Le dimanche matin, c'est parfait. Non! C'est pas assez. Tu as besoin de développer une relation avec le Dieu vivant. Tu as besoin de reconnaître sa voix quand il y a des problèmes qui arrivent, parce qu'il va y avoir toutes sortes de voix qui vont venir à ta tête. Amen! Des bonnes voix, des mauvaises voix. Mais toi, choisis la bonne voix. La parole nous dit, le Seigneur nous dit, « Mes brebis vont reconnaître ma voix. » Pas pour rien qu'il dit ça. C'est parce qu'il nous parle. Dieu nous parle. Puis ça peut te sauver la vie. Au lieu de prendre une décision, tu conduis, au lieu de tourner à droite ou de continuer, t'arrêtes, bang, comme c'est déjà arrivé à mon épouse puis à d'autres personnes, bang, un auto passe, tu seras mort sur le champ, mais tu as écouté la voix. Puis tu t'es sauvé, ta vie a été sauvée. D'autres personnes, ils vont avoir l'accident, ils vont dire, je ne sais pas pourquoi que Dieu a permis ça. Tu n'as pas entendu sa voix. Comment que c'est important d'entendre la voix de Dieu? Je ne suis pas choqué un matin, hein? Juste que je veux être sûr que vous l'entendiez vraiment. 2 Timothée 1, 7 nous dit, « Ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour, de sagesse. 2 Timothée, dans la Bible, le français courant nous dit, « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. » Dieu nous a donné un esprit, ça ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit-là que Dieu nous a donné nous remplit de force, d'amour, puis de maîtrise de soi. Écoutez, frères et sœurs, Dieu désire que nous soyons des champions, non des perdants. Dieu veut qu'on soit des dominants, non des dominés. Sérieux. Dieu veut que tu sois un dominant, un vainqueur. Pas un vaincu, un vainqueur. On est appelé à être la tête et non la queue. La différence entre un champion
puis un perdant, c'est que le premier, le champion, il a vaincu. Et le perdant, il a été vaincu. Puis quand tu as des peurs dans ta vie qui se manifestent, tu es parmi les vaincus. Le diable te vainque. Il triomphe sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de résister. Tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la force. Il te manque toutes sortes de choses. Mais Dieu veut que tu apprennes à résister. Ce n'est pas normal qu'on ait des peurs. Accepte pas le statu quo. Débarrasse-toi de tes peurs. Puis je vais vous donner le moyen. La différence entre un champion et un perdant, il y en a un qui a vaincu, l'autre a été vaincu. Toi, qu'est-ce que t'as? As-tu été vaincu ou tu es un vainqueur? Merci beaucoup. On a un vainqueur. On applaudit le vainqueur ce matin. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de vainqueurs que ça. Est-ce que tu possèdes une attitude? Écoute-moi bien là. Est-ce que tu possèdes une attitude de vainqueur ou de vaincu? Pour tous les aspects de ta vie, là. Parce que tu es confronté constamment à différentes choses. Puis moi, j'ai examiné ma vie, puis j'ai dit, waouh, regardons ça. J'ai une faiblesse à ce niveau-là. Je vais arranger ça. Parce que j'ai des armes pour le faire. J'ai une petite illustration ce matin. On a des acteurs ici incroyables dans l'Assemblée qui n'ont pas peur de rien. Alors, allez-y. Des micros, s'il vous plaît. Là, ils ont été vaincus, là. Là, c'est des vainqueurs, maintenant. Oui, comment ça va? Ah, ça va pas bien. Comment ça, ça va pas bien? T'es fait mon épicerie hier. Ça coûte cher. Ça coûte cher tous les années, c'est comme ça, pas de bon sens. Écoute, déjà, tu peux te permettre de faire l'épicerie puis d'avoir de quoi à manger, hein? Ouais. Puis en plus, je sais pas si t'as vu ma maison. Elle est petite, elle est tout petite. J'ai une famille, tout petite. Ben regarde, au moins t'as un toit au-dessus de ta tête, hein? Il y a plein de personnes qui vivent dans la rue, là. Ouais, mais, tu sais, le gouvernement, il enlève tout sur ta paye, t'as plus rien, hein? C'est comme, t'as de la petite peine si tu vis. Le gouvernement veut te mettre pauvre tout le temps. Et regarde, t'as une paix, ça veut dire que tu travailles. Il y a beaucoup de personnes, justement, qui n'ont pas d'emploi. Fait que, compte-toi chanceux. OK, puis si j'aurais une voiture, j'en ferais plus. Ouais, mais regarde, là, tu marches, t'es en forme, tu peux te permettre de marcher, t'es pas handicapé, marche. Puis, tu sais, dehors, quand il fait nuit pas mal. Ouais, mais au moins, ça te permet de voir les étoiles. OK, quand il fait soleil, il fait trop soleil? Ben, au moins, il fait chaud. Puis ma bouteille est quasiment vide. Ben regarde. Elle est à moitié vide. Elle est à moitié pleine, ta bouteille. En plus, déjà, t'as de l'eau à boire. Hein? Toujours positif, toi? Ben, c'est comme ça qu'on vint dans la vie. OK, c'est bon. Tout est dans notre attitude. Amen. Il y a quelqu'un qui a écrit, l'attitude que nous adoptons dans la vie est plus importante que le passé, l'instruction, les apparences, le talent ou les circonstances, plus important que qu'est-ce qu'on pense, dit ou fait autrui. Elle édifie l'attitude, elle édifie ou détruit une assemblée, une église, un foyer. Avoir chaque matin la possibilité de décider ce que sera notre journée est extraordinaire. On ne peut pas modifier le passé, ni empêcher les autres d'agir, de parler comme ils l'entendent, ni changer l'inchangeable. Le seul pouvoir que nous avons, c'est la liberté de choisir l'attitude que nous adopterons face aux gens, aux choses et aux situations. La peur, c'est une attitude, même si c'est un esprit, on va en parler plus tard. Mais le dictionnaire, quand on parle d'attitude, nous dit c'est une manière d'être qui manifeste certains sentiments. Alors, une attitude, si tu as la peur, c'est un sentiment, la peur. Alors, tu marches
toute la journée avec un esprit de peur, avec une attitude de peur avec toi. Tu peux avoir une attitude ferme ou une attitude de vainqueur ou tu peux avoir une attitude de vaincu. Puis ça paraît dans ton comportement. Quand tu vas pour un job, pour un travail, l'employeur te regarde puis il t'analyse. Il va voir quelle sorte d'attitude que tu as. Si tu as une attitude de perdant, de vaincu, ça va se sentir. Puis c'est comme, ça n'attire pas les gens. Mais si tu arrives, puis tu es sûr de toi-même, puis tu dis, écoute, moi, je suis l'homme pour la situation. Tu as un job, puis ça, je suis sûr que ce job-là, c'est pour moi. Puis c'est comme, tu montes de l'aplomb, hey, le boss va dire, ouais, mais je ne veux pas perdre cette personne-là, parce que c'est rare les bons employés. Alors, tu as plus de chances d'avoir un emploi que celui qui dit, ah, tu sais, là, je n'étais pas sûr de mener parce que je pensais qu'il était pour mouiller. Il y a bien des chances que tu n'aies pas la job, comprends-tu? Alors, soyez de ceux qui marchent la tête haute, pas la tête basse. Amen. Le seul pouvoir que nous avons, c'est la liberté de choisir l'attitude qu'on va adopter face aux gens, aux situations, aux choses. Tu peux choisir de vivre dans la peur ou dans la foi. C'est ton choix. Peut-être que tu ne savais pas, mais quand tu te lèves le matin, tu peux choisir l'attitude que tu vas avoir dans cette journée-là. Amen. Il y a des gens qui décident d'être Mossad, de mauvaise humeur, et qui veulent s'assurer que tout le monde autour d'eux autres soit misérable aussi. Ils se disent, si moi je suis misérable, je vais m'assurer que tout le monde va être misérable. Amen. Mais ce n'est pas l'attitude. D'autres se lèvent et ils disent, « voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé, qu'il soit pour moi, de joie, un sujet de joie. » C'est dans l'attitude. Combien qui, parmi nous autres, on se lève le matin et ça ne nous tente pas? Allô? Tu as décidé que ça ne te tente pas, tout simplement. Parce que si tu décides ce matin-là de dire, « Hey, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour moi un sujet de joie », ça va changer ton attitude. C'est toi qui décides. Mais des fois, on se laisse aller. Ça fait notre affaire. On ne veut pas faire trop d'efforts. Hein? Mais on doit se motiver. On doit avoir du caractère. Un vainqueur, un champion... agis toute la journée comme un champion. Mais quand tu es un loser, tu vas te réveiller comme un loser puis tu vas rester un loser. Ça vous dit quoi un loser? Un perdant. Okay? C'est dans l'attitude que nous avons. Puis on doit changer notre attitude. On a le choix de décider quelle attitude que nous allons avoir. Puis moi, j'ai décidé d'avoir une attitude positive. En réalité, le frère et sœur, je vais être honnête avec vous, tout se passe entre nos deux oreilles. Amen. Tout se passe entre nos deux oreilles. Tu choisis la qualité de vie que tu veux et la qualité de vie que tu vas faire endurer aux autres. Tu peux être un rayon de soleil ou tu peux être les ténèbres. C'est ton choix. Tu peux rayonner ou tu peux absorber tous les rayons. Comme ils disent qu'une étoile un trou noir, hein? Savez-vous c'est quoi un trou noir? Ça absorbe toute la lumière au complet. Puis c'est toujours noir. Ou on peut être comme le soleil qui brille. Moi, j'ai décidé de briller. Puis c'est rare que je dis ça, c'est parce qu'un matin, il y a quelqu'un, quand je suis rentré, a dit, « Man, que tu brilles un matin! » Mais c'est normal, je brille. Le soleil est en dedans de moi. Amen. Ça se voit l'attitude de la personne. Quand on reçoit les gens qui arrivent ici en avant, mais absolument quand ils viennent à l'église, ils mettent un sourire. C'est quand ils sont dans l'auto. Hein? Oh, ra-ra-ra-ra-ra, à l'église. L'attitude, garde-la tout le temps, comprends-tu? Parle-la pas. Puis laisse-toi pas influencer par les autres. Toi, influence les autres.
La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, le verset 4 et 5, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais divinement puissantes pour la destruction de forteresses. » La peur, c'est une forteresse. Dieu nous donne des armes pour combattre, pour défaire cette forteresse de peur. Nous détruisons les spéculations, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La Bible française courante nous dit ceci. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. La peur, c'est un faux raisonnement. Vous seriez surpris de voir combien de personnes qui sont contentes que je prêche ce message-là parce qu'ils sont pognés dans la peur. Il y a beaucoup même de chrétiens qui vivent constamment dans la peur. Puis savez-vous, la peur, là, j'ai fait une expérience, je vais vous la partager avec vous. J'étais en train de préparer ça, puis j'ai fait semblant d'avoir peur. J'ai fait ça de même, juste comme ça. Puis là, j'ai eu un drôle de feeling. Puis après ça, je l'ai fait... Non, c'est vrai, je l'aime faire peur. Il y en a qui disent, oh, regarde-toi dans le miroir. Non. Ah, écoutez-moi bien. C'est vrai. Puis là, je l'ai fait. Puis, savez-vous, j'ai commencé comme à avoir peur. De me faire peur. Oui, c'est vrai. Je commençais quasiment d'avoir peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce qui m'accroche comme ça, qui descend sur moi? Parce que vraiment, je suis sérieux, là. J'avais comme une petite peur. Juste en faisant... En faisant ça, imagine-toi si... Écoutez, je vous garantis que si je m'entraînerais à faire ça régulièrement... Je vous dis, je deviendrais un peu heureux comme plusieurs. Je vous dis... C'est sérieux, qu'est-ce que je vous dis là? Alors, si je suis capable de m'entraîner d'avoir peur, je suis capable de m'entraîner d'être un vainqueur. Amen. C'est vrai. OK, vous allez faire avec moi, OK? Une expérience ici. Okay. Faites ça comme ça. Faites ça. Allez-y, 1, 2, 3. Non, je te dis, c'est comme la peur, ça se communique. Je peux m'arranger que tout le monde va avoir peur puis ils vont sortir d'ici à matin. Non. Hey, c'est incroyable comment que la peur peut venir sur nous autres facilement. Puis on n'a pas besoin de ça. Si on est capable de s'entraîner d'avoir peur, puis je vous dis, une personne qui fera ça, là, elle sera capable de devenir folle puis se cacher dans le garde-robe. Puis jamais sortir de là, je vous le garantis. Oui, c'est bizarre, mais c'est que tu peux t'entraîner à avoir peur. Puis il y a beaucoup de personnes qui se sont entraînées à se faire peur. Mais c'est des faux raisonnements. La peur, c'est un faux raisonnement. Puis il faut que tu t'en sortes de ça. Puis tu dis, hey, voyons donc. Puis c'est ça que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait là, moi? C'est quoi ça, cette affaire-là? J'en veux pas, moi. Puis j'ai commencé à réfléchir, puis que c'était un faux raisonnement. Tu penses que tu as peur, ou tu devrais avoir peur, mais on n'est pas appelé à avoir peur. Est-ce que je peux entendre un amen? Une des solutions se trouve dans le verset 5 qu'on a amené. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Quand tu as peur, examine, analyse la pensée qui t'a fait peur. C'est quelqu'un qui t'est arrivé, puis peut-être que tu as fait peur, ou tu reçois une nouvelle, ou tu étais sur la route, puis tu as peur. C'est une pensée. Puis il faut que tu amènes cette pensée-là captive à la parole de Dieu. Alléluia. Tu changes ta pensée.
Tu amènes ta pensée dans la vérité, puis tu commences à penser vérité, puis tu vas être délivré de tes peurs. Mais il y a des forteresses dans nous autres qu'on a entraînées toute notre vie à avoir peur dans certains domaines. Ce n'est pas une peur générale, des fois, qu'on a, mais c'est une peur. Quand tu travailles comme, je ne sais pas moi, un policier, imagine-toi le stress que ces gens-là ont, les dangers qu'ils courent. Ils ont combattu leur peur, puis se sont raisonnés, puis ont dit, « Hey, moi, il n'y a rien qui va me faire peur. » Puis on est capable d'arriver dans cette attitude-là de dire, « Il n'y a rien qui va me faire peur. » C'est un choix qu'on a. C'est soit que tu as une mentalité de gagnant ou de perdant. De vainqueur ou de vaincu. Puis le Seigneur ne nous appelle pas à être des vaincus, il nous appelle à être des plus que vainqueurs. Si on n'amène pas nos pensées à l'obéissance de la parole de Christ, on va être des vaincus tout le temps. La semaine dernière, en République dominicaine, on était avec le pasteur Michael Player de l'Afrique du Sud. Il est originaire de l'Afrique du Sud, il vit maintenant aux États-Unis. C'est vraiment un homme de Dieu qu'on va avoir possiblement cet été parmi nous. Vous allez vraiment l'apprécier. On a passé une semaine avec lui, on mangeait tous les jours avec lui, puis il nous contait des expériences parce qu'il a vécu en Afrique du Sud. Puis ses journées off, il allait les passer dans des parcs où c'est qu'il y a des animaux sauvages. Vraiment, vraiment intéressant, qu'est-ce qu'il disait. Puis il nous a parlé du rugissement d'un lion. Quand le lion rugit, tu l'entends 5 kilomètres plus loin, comme s'il serait à côté de toi. Je ne le ferai pas parce que je vais perdre ma voix, là. On a un lion aussi, vas-y donc, Alain. Je pense que c'est plus un petit minou qu'un lion, ça. Hein? OK, chaton, reste tranquille. Là. Okay. 5 kilomètres. Le lion rugit, puis tu l'entends 5 kilomètres comme s'il serait à côté de toi. Peux-tu t'imaginer la peur des animaux? Puis ça fait partie de sa stratégie, parce qu'il m'a expliqué comment ça fonctionne. Voulez-vous que je vous l'explique? Oui. OK, la semaine prochaine. Non. Un lion, il y a ses lionnes. Il y a plusieurs lionnes. Puis en passant, c'est pas le lion qui attaque. C'est les lionnes qui attaquent. C'est le lion qui mange après, OK, avant les lionnes. Je pense que c'est un bon principe biblique qu'on devrait développer. Ça. Bon, on en parlera plus tard. OK. Oui, chérie. Le lion, il est là, puis la proie s'en vient, la gazelle ou quoi que ce soit. Puis c'est souvent de nuit qu'il chasse les animaux. C'est ça qu'il m'expliquait. Mais il dit, le lion, il est là, puis il rugit fort. Whatever. Puis c'est comme 5 kilomètres. C'est comme le sang te glace. Puis l'animal, quand il voit ça, quand il voit le lion devant lui rugir, il part à courir l'autre côté. Puis les lionnes sont l'autre côté. Il nous expliquait ça, comme, parce que lui, il l'a vécu souvent. Là, hein? Puis c'est pour ça que si on a peur, on perd tout notre sang-froid, on perd toute notre énergie, on perd, puis ça fait vraiment ça. Puis c'est vraiment intéressant, hein? Parce que c'est comme si tu courais dans le sens du lion, tu aurais plus de chances de t'en sauver que si tu retournes de l'autre côté. Puis le diable, c'est ça qu'il fait avec notre mental. Hein? Et il nous dit dans quelle direction courir. Puis le Seigneur, lui, nous dit dans quelle direction courir également. Bien, on entend la voix du diable des fois plus fort que la voix du Seigneur parce qu'il y a un esprit de peur qui nous tombe dessus. Puis on n'est plus capable de réagir. C'est pour ça que tu es vaincu. Mais si tu es un vainqueur, ça ne t'arrivera pas. Tu vas confronter le lion qui fait...
Vraiment bon, hein? Timothée 2, chapitre 1, 7. « C'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, c'est comme, c'est important que le fondement en dedans de nous autres, c'est pas quelqu'un qui est vaincu et qui se fait vaincre facilement, mais on est des plus que vainqueurs. Il faut avoir cette attitude-là. Il n'y a rien qui va m'ébranler. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Si Christ est avec moi, qui peut être contre moi? Ces trois qualités qu'on devrait développer pour être vraiment des chrétiens victorieux. La force, l'amour et la sagesse. Trois belles qualités. Pensez-vous que toutes vos peurs sont justifiées? Bon, c'est bien que vous sachiez. 1 Pierre 5, 8 nous dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme... » Il n'a pas dit que c'était un lion. Comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Lui ici, il veut faire la même chose avec toi. OK? Puis c'est vrai que Satan, c'est comme un lion. Mais essayez de vous imaginer un gros lion comme ça, mais il n'y a pas de dents. Imagine-toi. C'est un lion, mais il n'y a pas de dents. Parce que si tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, le diable peut te faire sursauter, mais il ne peut pas te dévorer. Puis c'est pour ça que si tu as une attitude de gagnant, de vainqueur, il n'y a rien qu'il peut faire contre toi. Il va crier, il va faire, il va beugler, il va rugir, il va faire n'importe quoi, mais toi, tu vas te tenir ferme. Tu vas dire, arrière de moi, Satan. La parole a dit, résiste au diable, puis il va fuir loin de toi. Est-ce que vous comprenez la position dans laquelle nous sommes? Oui, il y a du pouvoir, mais il n'y a pas tout pouvoir. Lui, il y a tout pouvoir, puis ce tout pouvoir-là, il est au travers de nous autres, puis on est capable de résister dans toutes les puissances des ténèbres qui viennent contre nous autres. Ben, c'est un choix. Tu dois le comprendre, ces choses-là. Écoutez, il y a bien des gens ici qui agissent comme des vaincus, une mentalité de vaincus, qui n'ont aucun guts pour se prendre en main, pour dire, hey, moi, je suis capable. Puis c'est comme, ils veulent être ça parce qu'ils aiment leur péché. OK, on n'ira pas là. OK. La plupart de nos peurs sont injustifiées. Il y a quelqu'un qui a écrit, il s'appelle Norman Wright, « De quoi qu'on s'inquiète? » Voici, 40% du temps, on s'inquiète pour des choses qui n'arriveront jamais. 40%, on s'inquiète pour des choses qui n'arriveront jamais. T'entends un bruit dans la maison, « Ah, un voleur! » C'est le chat qui a fait tomber le balai. C'est pas un voleur. OK? 40%. 30%, on s'inquiète pour des choses qu'on ne peut pas changer. La grêle tombe, elle tombe sur son jardin. Tu peux t'inquiéter comme que tu veux. Tes tomates vont être pourrites après. Il n'y a rien que tu peux faire. Il y a des situations comme ça qui arrivent. Il n'y a rien que tu peux faire. 12%, on s'inquiète et on se morfond parce qu'on se sent inférieur. 12%. 12% du monde se sentent comme inférieur. Le rejet, un esprit d'infériorité, etc. 10% du temps, on s'inquiète pour sa santé. Mais en fait, notre mauvaise santé, c'est le résultat de nos inquiétudes. Tu t'inquiètes parce que tu es malade, mais tu te rends malade par tes inquiétudes. 8% du temps, on s'inquiète pour des situations que l'on pourra faire quelque chose, mais qu'on ne fait rien. Alors, remarque que 100% de nos inquiétudes sont simplement une dépense d'énergie. 92% du temps perdu sur des telles inquiétudes, c'est du temps dépensé à glorifier le royaume de Satan. L'autre 8% est également perdu parce que nous devrions amener nos fardeaux à Christ et être libérés de toutes ces inquiétudes-là. Philippiens 4, 6 nous dit, « Inquiète-toi de tout. » Oh, excuse. « Inquiète-toi de rien. »
Inquiète-toi de? Rien. R-I-E-N. Inquiète-toi de? Rien. Inquiète-toi de? Rien. Je vais arrêter de vous demander quand tout le monde va dire avec tout leur cœur. Inquiète-toi de? Rien. Inquiète-toi de? Rien. Inquiète-toi de? Rien. Ah, ça commence à être popé, là. Vous êtes étonné que je le dise, hein? OK. Inquiète-toi de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alors, rien. Tu sais quoi, rien? Tu sais quoi, rien? C'est rien. Écoutez, on ne sera pas délivré de nos peurs par des incantations magiques ou des choses mécaniques qu'on va faire. Le christianisme, ce n'est pas vraiment des potions magiques ou des choses comme ça. Le christianisme, c'est une relation entre un père et ses enfants. Puis j'arrive à une solution. Je vais parler sur la peur pendant plusieurs semaines parce que c'est un sujet que je suis fasciné de voir combien de personnes vivent dans la peur, puis qu'on ne devrait pas vivre dans la peur. Le christianisme, ce n'est pas des formules magiques, mais c'est une relation entre un père et ses enfants. Quand on était en République dominicaine, quelqu'un a demandé au pasteur Michael Player, que je vous ai dit qu'il va venir ici, quelle a été sa plus grande expérience qui est arrivé. Ça fait 40 ans qu'il est dans le ministère. C'était une personne qui était perdue complètement. Il était dans la drogue. Il a fait de la prison en Afrique du Sud. Il était avec des gangs, battait du monde, etc. Il a vraiment vécu une vie de misère. Puis quand il a donné sa réponse à cette question, qu'est-ce qui est la plus grande expérience? On a tous été abasourdis. On a tous été surpris de sa réponse. Parce qu'il a répondu, la plus grande expérience dans sa vie, ça a été l'acceptation. L'acceptation de Dieu. Dieu l'a accepté tel qu'il était. Puis il dit, ça a tout changé ma vie. Toute sa vie, il avait été rejeté par son père. Son père ne voulait rien savoir de lui. Puis lui, il faisait des efforts pour gagner la faveur de son père. Puis, un jour, plus tard, quand il était dans le ministère, il a toujours essayé d'avoir l'amour de son père, que son père puisse être proche de lui, puis son père, il ne voulait rien savoir. Puis, un jour, il est parti de l'Amérique aux États-Unis, puis il a été visiter l'Afrique du Sud pour une semaine, visiter ses enfants là-bas. Puis, il appelle son père, puis il dit, « Père, il dit, je vais être ici une semaine, j'aimerais ça te rencontrer et parler avec toi. » Alors, son père, il dit, « Attends un peu, je vais garder mon agenda. » Il dit, « J'ai peut-être une heure pour toi jeudi prochain. » Imagine-toi comment que tu te sens quand tu entends ces choses-là. Fait que finalement, il était le voir, puis pendant une heure, il y a eu, tu sais, des nouvelles, tout ça. Puis après ça, il est parti, il s'en va à l'aéroport. Puis rendu à l'aéroport, il y a quelque chose qui disait, le Saint-Esprit disait, « Appelle ton père. » Puis il dit que tu l'aimes. Alors, il a pris le téléphone, il appelle son père, il dit, « Dad, il dit, je t'aime. » Puis son père, il a répondu, « Moi aussi, je t'aime. » Il a brisé en larmes. Il pleurait comme un enfant, comme un bébé. Il ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il venait d'être accepté par son père. Puis savez-vous, dans le royaume de Dieu, Robert, veux-tu nous piano? Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais eu ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'avoir été accepté par Dieu. Ils vivent comme ce serait une vie normale, mais ce n'est pas vraiment normal. L'acceptation, j'ai été voir dans le dictionnaire, c'est une attitude mentale que quelque chose est croyable et devrait être accepté comme vérité. Je répète,
l'acceptation. C'est une attitude mentale. Que quelque chose, c'est croyable, c'est possible. Et devrait être accepté comme vérité. Et quand il m'a partagé ça, ça m'a vraiment touché parce que moi aussi, j'ai vécu cette expérience-là avec Dieu. Que je n'avais jamais senti que Dieu m'acceptait tel que je suis. Puis quand j'ai commencé à, vous savez, chanter « Merveilleux amour », pendant des années, ça m'a pris de chanter ce chant-là pour arriver à un certain moment de comprendre que Dieu m'aime. Il m'aime pour moi-même. Puis ça l'a radicalement changé ma vie. Et la même chose pour le pasteur Michael Player. Sa vie a été bouleversée, complètement transformée d'un bout à l'autre parce que son père l'avait accepté. Puis spirituellement, c'est la même chose pour chacun d'entre nous autres. Souvent, on ne vit pas notre vie chrétienne parce qu'on ne sent pas que Dieu nous a acceptés. On fait partie du lot, on fait partie d'une église, mais c'est comme, on a besoin, chaque personne, on est des êtres humains avec des sentiments. On a besoin de ressentir que Dieu m'a accepté. Dieu m'aime pour moi-même, pour qui je suis. Dieu ne s'attend pas, on ne doit pas s'attendre à changer, à faire des efforts pour changer, pour être accepté par Dieu. On est accepté. Tu es accepté tel que tu es. L'acceptation, c'est de comprendre et accepter l'amour de Dieu pour qui je suis, pour la personne que je suis. Je n'ai pas besoin de changer pour être accepté par Dieu. Quand tu te sens accepté, tu es capable de rentrer dans une relation intime avec le Saint-Esprit. Mais si tu ne sens pas que tu es accepté, mais tu ne pourras jamais rentrer dans une relation intime. 1 Jean 4, 18 nous dit, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. » Pourquoi? Parce que l'amour parfait bannit la peur. Puis quand tu as cette relation-là d'amour avec le Père, tu es rempli de son amour. Tu n'as plus de peur. La peur s'en va. Pourquoi? Parce que la lumière vient. Elle chasse les ténèbres. On a des ténèbres parce qu'on n'a pas été capable d'accepter la lumière en dedans de nous autres. Je vais vous donner une petite histoire. Parce que des fois, on tient nos peurs. On ne veut pas les laisser partir, nos peurs. On les garde. Puis, peut-être que vous la connaissez, cette histoire-là, c'est le singe puis une poignée de riz. On raconte dans la forêt équatoriale, un chasseur trappait le singe. Il connaissait bien une de ses faiblesses, qu'est-ce qui permettait de l'attraper vivant et sans la moindre blessure. Après avoir coupé une grosse courge, après l'avoir vidée de son contenu, on remplit avec une poignée de riz puis on l'attache à un arbre. Le singe est attiré par la nourriture, il arrive puis il met sa main dans le petit trou, OK? Puis il va chercher le riz en dedans. Puis là, bien, quand il vient pour enlever sa main, il ne peut pas parce que le riz fait enfler sa main. Puis le problème, c'est qu'il ne veut pas ouvrir sa main pour relâcher. Il est là, puis il tire. Puis le gars vient, puis il prend doucement le singe. Il attrape comme ça. C'est la manière qu'il attrape. Puis, vous savez, nous autres, c'est un peu la même chose. On veut être libérés de nos peurs. Seigneur, libère-moi. Seigneur, fais quelque chose. Mais on est comme le petit singe qui met sa main. On prend la peur, puis on ne veut pas lâcher notre peur. Puis Dieu nous dit, lâche-les. J'ai quelque chose de bien plus précieux pour toi. Si vous sauriez comment que Dieu nous aime, vous n'auriez plus peur. Si tu es capable d'accepter l'amour de Dieu, tu n'aurais plus peur. Va juste. J'ai à cœur de vous lire un petit passage. Vous me donnez un peu plus de temps ce matin? C'est le psaume 18 qui m'a toujours touché
parce que ça nous montre comment Dieu est envers nous. L'image que vous avez des fois est fausse. C'est un Dieu qui chasse, qui veut taper sa tête. Mais ce n'est pas ça du tout. Quand tu as cette relation-là avec Dieu, quand tu apprends à connaître qui Dieu est, le psaume 18 te dit exactement comment tu es. La mort m'avait attaché. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes. Ses pièges étaient tendus sous mes pieds. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. Quand on parle au Seigneur, quand on crie au Seigneur, il entend. C'est pas qu'il entend pas, il entend très bien. Alors la terre, voyez la réaction que... On prie Seigneur, puis la réaction maintenant de Dieu. Il n'est pas insensible à tes douleurs. Il n'est pas insensible à tes malheurs. Alors la terre s'est mise à bouger. Les bases des montagnes ont été secouées. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Dieu est en colère. Une fumée s'est élevée de ses narines. Un feu terrible est sorti de sa bouche avec des charbons brûlants. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis et descendu un nuage sombre sur ses pieds. Le Seigneur s'est envolé, porté par un chérubin. Il planait sur les ailes du vent. Il s'est caché au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde. Une lumière éclatante le précédait. Éclairs de feu et grêle jaillissaient de ses épais nuages. Au fait, le Seigneur a fait éclater son tonnerre. Le Dieu Très-Haut a fait entendre sa voix. Éclairs de feu, de grêle jaillissaient. Le Seigneur lança des flèches. Ses ennemis partaient de tous les côtés. Il jetait ses éclairs et tous s'enfuyaient. Le Seigneur, devant tes menaces, devant la tempête de ta colère, le fond de la mer est apparu. Alors les fondations du monde sont devenues visibles. D'en haut, le Seigneur a tendu la main pour me saisir. Il m'a retiré de l'eau menaçante. Il m'a délivré de mon puissant ennemi, de cet adversaire trop fort pour moi. Il avait profité de mon malheur pour m'attaquer, mais le Seigneur est venu à mon aide. Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. 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 Quand tu vas être capable d'accepter l'amour de Dieu dans ta vie, tu ne seras plus jamais la même personne. Jamais la même personne. Quand tu vas être capable d'accepter l'amour que Dieu a pour toi, ça va bouleverser, transformer ta vie. Je finis juste avec ça. Nos peurs vont disparaître quand on va mettre notre confiance dans le Seigneur. Le psaume 49, 6 nous dit, « Ils ont confiance dans leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. » Moi, j'ai décidé de mettre ma confiance dans le Seigneur un jour et je ne l'ai jamais regretté. Quand Dieu me dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Moi, je réponds dans le psaume 27, « Toi, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré ça plein de confiance. » C'est extraordinaire quand tu es capable d'accepter l'amour de Dieu pour toi.